du double en compagnie de Liu Gozeng face à Malin et Wang Hao. Alors Wang Liqin, c'est pas surprenant de le retrouver ici, mais on va redire la même chose que ce que l'on a dit pour le double. Chen Qi, exceptionnel lui aussi depuis un mois et demi. Il est revenu à son meilleur niveau. C'était pas le cas en début de saison, mais Wang Liqin, vainqueur de l'Open d'Allemagne. Il avait battu Malin en finale. On va retrouver aux Jeux Olympiques d'Athènes, hein, Christian. Oui, il y a des chances, oui. Encore que chez les Chinois, il y a vraiment le choix. De parler des Français, puisque Patrick Chila s'est qualifié. Il est à l'entame de ce tournoi, parce qu'on sait que ces tournois de qualification sont toujours très très difficiles. C'est un peu la bouteille à l'encre. Et c'est très bien qu'il y ait un Français qui rentre. Damien Hillois est le premier remplaçant, donc on ne sait jamais. Et puis surtout, il y aura aussi un tournoi de qualification avec la participation, là encore, de Jean-Philippe Gatien, qui sera, je pense, rétabli de sa blessure. Et puis Damien Hillois. Avec deux places seulement, voilà. En pied. Oui, je pense. Avec Patrick Chila et Jean-Philippe Gatien qui joueront ce tournoi mondial. Tout à fait. Que derrière, ça arrive. Oui, bah, c'est sûr que les mousquetaires, comme on les appelle, ont un petit peu l'avenir et on espère que la France retrouvera son rang qu'elle mérite. Pour le moment, dans le tennis de table féminin, il n'y a aucune qualifiée qui a remporté cette première manche face à Wang Liqin. 11-5. C'est bien joué là, plutôt que sur tous les coups qu'il exécute. Toujours beaucoup de fluidité. Il n'y a pas grand chose pour que ça touche l'arête. Oh là. Et voilà. Superbe. Deuxième set. Et puis alors, quelle décontraction encore sur ce coup. Déjà là, on voit, il est en mauvaise posture. Il est pris milieu de table. Il arrive à s'en sortir avec une balle. Classement du Pro Tour à l'issue de ce tournoi suédois. Wang Liqin est deuxième. Et le dernier qualifié à l'issue de ce tournoi, cet Open de Suède. Oh, ah oui, ça c'est magnifique. Sipé sur la remise, il avait d'ores et déjà décidé de pivoter. Toujours réglementaire à Shinki. Oui, la belle attaque encore de la part de Wang Liqin. Et ben voilà, encore un pour remporter son premier set. 2-1 en faveur de Chen Qi. Allez, il faut que Chen Qi en profite. Ça joue au niveau là. Oui. Fait quand elle arrive, il arrive malgré tout à encaisser l'énergie et la rotation de cette balle et à la remettre très courte. Oui, c'est sûr qu'il est là attaqué là-dessus, Wang Liqin. Service, il remettait de mesure en mieux celui de Wang Liqin. Malheureusement, 2-3 fautes sur les 7 de 11 points, ça pardonne pas. Hein. Ça va très très vite maintenant. Ça, c'est des échanges qu'il n'arrivait pas à tenir. Oh, quel point avec le démarrage pourtant parfait de Chen Qi. Hein. Arrête, Wang Liqin ne fait plus une faute. Qu'il aille à droite, qu'il aille à gauche, il est là. Parce que dans les angles face à Wang Liqin, c'est pas toujours la solution. Il est tellement grand, il y a tellement d'allonges que.
Allez. Ah oui! Et Wang Liqin, pourtant, qui était sous pression, c'est lui qui s'en sort. Et là, c'est la folie, la chercher. Hein. Et c'est là où il reprend l'initiative du jeu. Avec encore un service. On a l'impression qu'elles sont faciles parce que hautes, mais pas du tout. Il y a beaucoup d'effets, elles sont profondes. Ah, c'est bien, il fait un bel effort, Chenki. Ah oui, que c'est bien joué. Encore un service pour Wang Liqin. Et 9 partout. Superbe, superbe ce top spin là. 3 manches à 2 et 1-0. C'est Chenki qui est au service en bleu. Il va mieux le marquer ce point. Wang Liqin qui a l'avantage, mais le jeune Chenki ne lâche pas. Il s'accroche. Et il le fait plutôt bien. 4-3 Chenki. Ah, il se rend de coup pour coup là. La réponse derrière de Chenki. Ça, ce sont des points qui font mal. Hein. Circuit. Et on voit que beaucoup maintenant prennent le temps mort à bon escient. Oh, allez, superbe échange là, de top sur top. 15 sur Sport Plus, c'est notre cadeau de Noël. Vous retrouverez Wang Liqin et Chenki. Eh oui, top de coup droit, 3 balles de match en faveur de Wang Liqin. Open d'Allemagne 15 jours plus tôt, il a l'occasion d'aller chercher son deuxième titre cette année. Et voilà qui est fait, victoire.